Bon, c'est un peu malhonnête, franchement, voilà. Et on n'a pas de raison de se laisser faire. Moi, je me laisserai pas faire. Hein. Shit, no, man. I believe you get your ass kicked saying something like that, man. Vous êtes content, vous disiez il y a pas si longtemps que la France avait totalement disparu en Europe et qu'elle était mal représentée. Moi, j'écoute. D'abord, il y a deux représentants de la République en marche. Je crois que Daniel aura l'honnêteté de reconnaître. Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, oui, ça va être grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien il de la République en marche. Européen, il aura vous ne pouvez de le pas reconnaître. Lui bon. Mais sur l'utilité voilà. De votre. Moi, je suis qu'est-ce que vous êtes faux cul, je quand même. Je suis fondamentalement bon. Vous avez deux représentants de la République en marche. Mais prenez la parole. Prenez la voilà, parole pour bon. Vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y. Tu te trouves. Ah bon, je m'en fous. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Monsieur Collard, s'il vous plaît, messieurs. Si je suis de trop. Messieurs, voilà, mon utilité, au moins, c'est ça, le Front les vieilles guenilles, bien, les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, Monsieur Collard, Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, coupez-leur le micro. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter. Il vient de m'insulter. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau. Se vendu à Macron. Monsieur Collard. Un mot et je m'en vais et je vous laisse entre vous. Alors un mot continuez et vous à nous insulter. Continuez à nous traiter de fachos. Continuez à parler de l'extrême droite. Gilbert Collard, ceci, bien, voilà. Gilbert Collard, ceci n'est pas un théâtre ni un tribunal. Deux représentants de la République. S'il vous plaît. Monsieur Cohn-Bendit. Vous croyez qu'il n'y en a qu'un ? Merci de votre visite. À très bientôt, Monsieur Collard. C'est une honte de prétendre qu'il n'y a qu'un seul invité de la République en marche, alors qu'il y avait le président du groupe et Cohn-Bendit qui a fait campagne pour la République en marche. Là, on nous prend pour des cons, franchement. Bon, il y a d'un côté Cohn-Bendit qui a fait campagne ouvertement pour Macron, de l'autre le président du groupe, et on nous présente Cohn-Bendit comme un témoin. Bon, c'est un peu malhonnête, franchement, voilà. Et on n'a pas de raison de se laisser faire. Moi, je me laisserai pas faire, hein. Voilà, c'est tout, hein.